Bienvenue sur la première course du Challenge de Majorque, le Trofeo Calvia, 154,7 km. Une course, comme vous avez vu, avec un profil très accidenté. Après un début de course très débridé, trois coureurs vont sortir du peloton. Piccoli de la formation Israël Premier Tech, Maestri de la formation Eolo et Montes de l'équipe Electro Hyper. Mais ces hommes de tête vont subir le retour du peloton puisque les reliefs vont permettre de nombreuses offensives. Après la mi-course, après avoir rejoint donc les trois échappés matinaux, McNulty, Wellens et Heudebrux vont accélérer le rythme à l'avant de la course et provoquer un premier groupe de tête. Il va avoir une jonction à 60 km de l'arrivée, mais au moment de cette jonction, Brandon McNulty, le coureur américain de 23 ans, 6e des Jeux Olympiques, va sortir tout seul comme un grand et s'imposer après un effort en solitaire de 60 km. Il devance donc son équipier Sutter qui règle le groupe des poursuivants devant Albanese, Wellens et Valverde. Et voici donc le top 10 de ce Trofeo Calvia 2024.